Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous apprendre à dessiner un petit koala. Voici un exemple. Alors, pour le petit koala, on va commencer par la tête. On fait un petit cercle. Voilà, on refait la croix. Vous avez vu lors des précédentes vidéos pour d'autres animaux. On va faire deux oreilles de Mickey. Ici, on va reprendre la moitié. Ici, on va lui faire un gros nez. Voilà. Et ici, on placera les yeux. On va le mettre sur un arbre. Donc, on va descendre. Au niveau de sa tête est posée sur l'arbre. Voilà, donc on fait juste la position de l'arbre et une autre branche. Ici, on va positionner son corps avec un ovale. À partir de ce point-là, et un dos bien rond. Son épaule va se situer à peu près ici, par rapport au dos. Et là, on va mettre le trait de construction, le petit bras qui se tient à la branche. Ici, on va lui mettre sa cuisse, on fait un autre ovale. Et son pied, qui va se positionner comme ça, encore en trait de construction. Alors, ensuite, je vais repasser au stylo. Je n'ai pas pris mon feutre, il est plus fin, le stylo, c'est plus pratique. Je vais faire un petit chapeau aussi. Alors, pour le petit chapeau, parce que c'est drôle, voilà, je reprends l'exemple de mon petit koala. Donc, on fait un ovale comme ça, on monte les deux côtés, ferme. Et là, on ferme arrondi comme ça. Voilà, on arrondit. Voilà son petit chapeau. Et je repasse. Alors pour les oreilles, on part comme ceci. Et ensuite, plein de petits poils. Hop. Et hop. Je repasse sur les traits de construction. Voilà. Le nez. Que je colorie en noir. Et je repasse les yeux. Au niveau du bras, alors il va passer là. Et ici, pareil, je vais mettre des petits poils, donc je fais des petites vagues un petit peu, comme ça. Alors, pour ce cours, je me suis intéressée aux doigts des koalas. Contrairement à ce que j'ai fait sur le coupon, on va aller un peu plus dans le détail. J'ai appris que les koalas avaient deux pouces sur la petite patte avant, les petites pattes avant, comme ça, qui sont collées, et trois doigts. Voilà. Donc là, vous êtes parti sur le rond, hop, on en fait deux, trois. Ensuite, on passe sur le dos. On va repasser sur la cuisse, juste le haut, comme ça. Hop. Et là, le bas. Et ici, on va lui faire sa petite patte. Alors, les petites pattes arrière, elles ont un pouce et trois doigts. Avec des griffes normalement pour s'accrocher. Et ici, je peux lui mettre sa petite veste, comme dans l'exemple de mon petit coupon. Je repasse l'arbre. Là, il est bien assis dessus. Alors ici pour les oreilles, je vais revenir un petit peu
Voilà. Le petit chapeau. On peut repasser après pour l'arbre, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. L'écorce. Et ici, je repasse la chemise. Pourquoi pas les petits poils comme ceci. Et bien sûr, son autre bras est derrière. Et je repasse le chapeau. Voilà mon petit koala. On peut même lui rajouter, pourquoi pas, ses petites feuilles d'eucalyptus. Et voilà. À bientôt pour un prochain cours.